C'est un document pour l'histoire, un document palpitant dont l'action se déroule au sein des bureaux clos de la Commission électorale indépendante. Nous sommes replongés dans les journées chaudes et sombres du scrutin présidentiel de 2010, dit de sortie de crise, ces jours qui ont précédé la crise post-électorale de 2011. Ce livre est un témoignage de première main, un témoignage écrit sans passion ni parti pris. Aujourd'hui, commissaire centrale à la Commission électorale indépendante, Madame Marguerite Clinto-Yolibikone, à l'époque directrice rattachée au secrétariat général de l'institution, a vécu ce véritable drame aux Premières Loges. Elle sort aujourd'hui de son silence pour nous livrer avec la précision d'un chirurgien son témoignage unique à ce jour. Les faits, rien que les faits, dans le huis clos de la CEI, juste avant les heures sombres de cette page d'histoire de la Côte d'Ivoire. Vous êtes d'endroit dans, dans les yeux. <music> Madame, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de cette info. Dans votre ouvrage intitulé 2010, élections présidentielles de sortie de crise dans les coulisses de la CEI, vous avisez le lecteur dès l'introduction sur votre position au sein de l'institution. Je vous cite. Là, dans cette CEI où montait chaque jour l'effervescence, j'avais été une spectatrice discrète, silencieuse et parfois invisible des joutes, des bras de fer et des pressions entre les commissaires centraux représentant les forces politiques et les forces nouvelles. Pourquoi, madame, avez-vous décidé d'écrire aujourd'hui ce livre J'ai décidé d'écrire ce livre pour trois raisons. Euh, la première, c'était pour prévenir. Pour prévenir du fait que nous allons vers des élections et nous sommes encore dans le même schéma. Et je pense que tout le monde le sait prévenir mieux que guérir. Et la deuxième raison, c'est pour montrer que la commission électorale est une institution qui travaille. Il y a des techniciens qui ont travaillé et à cause de la crise, c'est comme si rien n'avait été fait. On a retenu que la crise post-électorale. Et la troisième raison, c'est pour rendre témoignage et hommage à ces femmes et hommes qui ont travaillé nuit et jour pour avoir ce résultat et surtout à Monsieur Conan Quadio qui était à mmh. l'époque le secrétaire, secrétaire général, général. Et... à qui vous rentez, vous rendez hommage hein. il est décédé en 2015 il est décédé en 2015 malheureusement euh, c'était il... votre patron c'était mon patron alors vous étiez une cheville ouvrière euh, de cette institution actrice mmh. et spectatrice des événements aux premières loges vous aviez pris fonction moins de deux mois avant le scrutin présidentiel le 17 septembre 2010. Pouvez-vous rappeler dans quelles circonstances et à quel titre vous êtes entrée à la CEI Alors, pour l'histoire, euh, je suis euh, de la société civile. Donc, euh, je, travaille, euh, je travaille à la société civile. Vous étiez avec... déjà une actrice reconnue de la société civile De la société civile. civile et j'étais la coordinatrice de, de WANEP Côte d'Ivoire. Et. et à ce titre-là, euh, j'accompagnais, je, je faisais des consultances pour la commission électorale déjà, et j'accompagnais la cellule, la cellule de, obser, des observateurs. Donc Mais je... il n'y avait pas de membres de la société civile qui était au sein de la commission électorale indépendante. Donc, on a estimé à ce moment-là qu'il fallait recruter quelqu'un de la société civile. Euh, bah en fait, C'est un non. peu ce que vous expliquez. Il ne cherchait pas vraiment à recruter <coughs> la société civile. Il cherchait quelqu'un qui avait le profil. Pour ouvrir une nouvelle direction qui était la direction des études et l'éducation civique. Mmh. Donc, ils ont lancé l'appel. Mais l'appel était d'abord en interne pour ceux qui avaient déjà travaillé là. Mmh. Et il s'est trouvé que moi, j'ai vu que j'avais le profil. Et donc, j'ai postulé. Et bon, c'est vrai qu'ils ont présélectionné certaines personnes. Mais bon, au final, c'est moi qui ai été. Choisi pour euh, ouvrir cette direction qui direction était vraiment nouvelle. Des études et de l'éducation civique, civique. Donc qui était chargé un peu de, 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 de faire l'éducation des populations sur le, le mode de fonctionnement du scrutin. Absolument, absolument. C'était exactement cela. Alors avant d'entrer dans le détail de votre récit, je voudrais quand même vous demander, en forme de résumé, pourquoi vous pensez qu'on aurait dû qu'on aurait pu éviter la tragédie selon vos mots on aurait pu l'éviter. Pourquoi Ça a dérivé à cause de, du comportement des politiques. Oui, je pense que euh, lorsque on va à des élections ou on va à un jeu, comme les élections, il faut en connaître les règles et les respecter. C'est pas selon son bon vouloir. Et donc, je me suis dit, euh, je pense qu'on aurait pu éviter si chacun avait su raison garder et respecter son rôle. Et respecter son rôle. Parce qu'on voit bien dans votre récit que chacun essaye de déborder sur les autres. Absolument. Moi, je pense qu'on aurait pu, et je, je, je le pense jusqu'à aujourd'hui, qu'on aurait pu éviter cette crise si chacun <coughs> n'avait pas essayé de, de déborder de son rôle et de respecter, que chacun ait respecté les règles du jeu. Parce que c'est un jeu, on peut le perdre et puis le gagner demain. Pourtant, ça n'avait pas si mal commencé. Non. On va suivre pas à pas votre récit, le film incroyable de cette élection et la montée irrésistible de la pression et des tensions au sein même de la commission. Dès avant le scrutin, vous dites que c'était déjà l'effervescence dans le pays. Pourquoi Oui, c'était l'effervescence parce que on avait attendu ces élections depuis des années. Ça faisait, on devrait faire cette élection. Euh, présidentielle en 2005, qui n'a pas eu lieu. Il y a eu le, la crise que nous tous nous avons connue. Et chacun voulait sortir de là. Et donc, euh, que ce soit au sud, au nord, à l'est, à l'ouest, chacun se préparait pour finir avec cette crise. Mais c'était une effervescence positive à ce moment-là. Oui, très positive. Parce que si, si vous regardez, il y avait eu des chansons qui avaient été faites. Euh, pour cette élection. Et vraiment, c'était une effervescence positive. Et on se disait, euh, bon, c'était la fin. Comment s'est déroulée la préparation du premier tour du scrutin Quels étaient, à la CEI, vos défis et vos objectifs Alors, euh, pour la préparation, comme vous le dites, bon, moi, j'ai pris le, le trait en marche. J'ai trouvé une structure euh, qui était en déjà en marche, en fonctionnement. Il y avait déjà les règlements. Mais. Euh, quand les jours se précisaient de plus en plus, il fallait être prêt. Il fallait être prêt pour que les... Donc les... concrètement, c'est quoi la préparation ah, La préparation, euh, elle est de deux de volets. D'abord, la préparation technique, euh, matérielle. C'est-à-dire tout le matériel doit pouvoir être où il faut parce que ce n'est pas à la commission qu'on fait les Quand élections. Quand on parle du matériel, les bulletins, les enveloppes... Les bulletins, les enveloppes... Les stickers... Les stickers et la ressource humaine. Et la ressource humaine. Oui, parce que ça Cha fait partie doit être au bon endroit dans tout le bon pays. Au bon endroit, c'est-à-dire, euh, la logistique doit être vraiment précise. Ça, c'était ça. Et ensuite, il fallait que ces personnes, ces ressources humaines, ces parties prenantes, secondaires comme primaires, devraient être préparées et devraient savoir chacun leur rôle. Nous, pour la nous, CEI c'était de bien préparer, les, euh, bien informer les électeurs. Voilà, il y avait la sensibilisation il y a la des sensibilisation, électeurs. Les électeurs. La sensibilisation des électeurs. La sensibilisation aussi des... Des, 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 des partis politiques et de leurs partisans pour qu'ils connaissent les règles, parce que c'est pas évident. Et puis vous aviez un objectif ambitieux, c'était qu'il y ait une forte participation, au moins de 70%, dites-vous, à cette élection. Absolument, absolument, parce qu'il y avait eu quelques sondages, et j'étais bien placée pour le savoir, parce que euh, avec mon, ma structure, on avait fait un sondage, et on avait eu 83% de taux de participation. Et puis nous, on s'est dit, bon, c'est une élection de sortie de crise, on l'attend depuis 10 ans. Bon, je dirais depuis 5 ans, puisque ça devait se faire en 2005. Et il fallait que le maximum d'Ivoiriens prennent part à cette élection pour que ça donne, effectivement, ça reflète la vie de tous les Ivoiriens. Alors, à ce stade de la préparation, tout se passe plutôt bien. Absolument. Vous travaillez beaucoup, vous racontez qu'il y a beaucoup de nuits qui sont passées dans le... Absolument, <laughs> dans, dans le, absolument, dans le camp. absolument. Mais euh, déjà... Euh, il y a un quac. Vous vous rendez compte la veille du scrutin, soit le 29 octobre, que des bulletins de vote et des listes électorales manquent dans certaines localités, à Zopé, au Diené, tout bas, et dans la région du Bassa Sandra. À quoi cela était-il dû, puisque vous, vous aviez déjà fait acheminer beaucoup de choses alors, à vrai dire, je, je, ce sont des informations que nous sommes remontées par les superviseurs qui sont sur le terrain. Locaux. Le, euh, non, non, même les, les grands superviseurs, même y étaient. Ah oui. En plus des commissaires locaux qui nous remontent le fait mmh. que bon, il manque ici, il manque. Ci. Mais c'est c'est à bien regarder. Après, on s'est rendu compte que en fait, souvent, ces éléments sont là, mais comme les gens sont dans l'effervescence, etc. Les éléments souvent sont rangés dans un carton. Ils ne regardent pas ça correctement. Et donc, ça nous a fait veiller à reprendre des listes qui. Se... Et qu'est-ce que vous avez fait pour pallier pour que ces gens puissent voter Alors, pour, euh, pour, euh, pour, pour ces, ces personnes-là, nous avons travaillé toute la nuit et fait partie des camions la nuit pour repartir sur ces villes-là, pour avec déposer le avec le matériel soi-disant qui manquait. Et donc. Euh, et souvent, on l'a retrouvé sur place. Oui, souvent, on l'a retrouvé sur place, mais bon. Euh, <coughs> le travail était déjà fait, et puis bon, c'était pour, pour la bonne cause, et tout le monde était vraiment motivé euh, à le faire. Alors, le matin du vote du premier tour, autre couac, certains bureaux à Abidjan n'ont pas ouvert, du matériel électoral, notamment les hologrammes qui authentifient les procès-verbaux, manquent, et puis certains agents électoraux ne savent même pas comment utiliser tout ça. Il y a quand même une certaine confusion dans votre description le, le jour du, du premier tour malgré l'intensité de la préparation. Et vous, là, vous avez passé la journée à courir partout. – Oui, à courir partout, parce que vous savez, c'est une formation pratique qu'on fait aux agents électoraux. C'est 20 000 bureaux de vote multipliés par 3, ça fait 60 000 personnes. – 20 000 bureaux de vote sur tout le territoire. – Oui, c'est ça, avec 11 000 lieux de vote. Et donc, l'élection, c'est quelque chose où… Une action où en un seul jour nous avons, vous avez un maximum de personnes et ce n'est pas évident former 60 000 personnes pour qui, qui assimile tout, ce n'est pas évident Donc sans Vous, vous courriez de, de bureau de vote en bureau de vote à Abidjan pour former directement les gens. Enfin, pour, euh, oui, pas former à mais rattraper. Les c est, c est, oui. Ouais, Parler <laughs> des problèmes, c'est pas forcément de la formation, mais je veux dire, il peut arriver par exemple quelqu'un a été malade, qui a, qui, qui a été formé la veille ou deux jours avant. Et qui n'a pas pu venir. Mm. Mais c'était prévu, c'est prévu dans la loi. C'est prévu dans la loi que quand quelqu'un qui a été formé ne vient pas, à un moment donné, euh, il faut ouvrir le bureau de vote. La loi dit on regarde dans le rang un électeur inscrit dans le bureau de vote, sachant lire et écrire, qui vient compléter, qui n'est plus le président ni le chose, mais qui vient compléter l'effectif, le, le dispositif. Donc <coughs> ce sont des choses qui peuvent arriver. Mais il euh, y, y a aussi euh, le fait que euh, quand on forme des gens, euh, y, il n'assimile pas bien, on lui dit, euh, ça c'est tel PV, il ne lit pas, et puis bon, on appelle, oui, il y a telle chose qui manque ici. Quand on arrive, ils là. vous ont fait courir. Ils vous ont fait courir. courir. Courir, courir, mais bon, on l'a fait de bonne foi. Certains, <laughs> il y a une anecdote qui m'a <laughs> amusé, c'est que certains agents électoraux ont attendu, après la clôture du, du, du bureau, le soir, jusqu'à 4h du matin, qu'on vienne chercher les, les PV ah, oui, et oui. les bulletins. Oui. C'est que là, bon... Parce qu'on leur avait dit de ne pas s'amuser à transporter les urnes, les bulletins, de même. Ils devaient attendre. Ils devaient attendre et ça devait être sous escorte. Et donc, ils ont respecté le, 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 le... Mais ils ont attendu longtemps. Oui, ils ont attendu longtemps, mais bon, je pense que c'était pour la bonne cause, parce que si vous partez et qu'il arrive quelque chose en chemin, vous êtes responsable. Alors, malgré ces petits quoi, que néanmoins le scrutin du premier tour s'est déroulé correctement. Et vous finissez par recevoir les PV et les décomptes en provenance de tout le pays. Absolument. Est-ce que vous pouvez expliquer comment se fait ce décompte des résultats et ce qu'on appelle le recollement des résultats, comme on dit, au oui, sein de, oui, de la, la compilation, co la compilation, le recollement au sein de la commission. Comment ça se passe Alors, il faut savoir que depuis le bureau de vote, c'est le PV qui est établi par les agents électoraux et signé. Par les représentants des candidats présents, j'insiste dessus, présent parce que ce n'est pas une obligation s'ils ne veulent pas venir. Mais ceux qui sont là, on a obligation de leur donner le PV et les PV sont empaquetés depuis le bureau de vote pour la commission locale, pour en tout cas les institutions qui sont chargées de, de soit de faire le contentieux, soit de comme nous, la commission électorale, de faire la compilation. Et donc, depuis le bureau de vote, nos sacs, nos PV viennent aux commissions locales, les commissions locales sous-préfectorales en, en, en balle, ils envoient aux départementales, les commissions départementales en balle envoient à la régionale et de la régionale, ça vient à la commission. Donc vous, vous recevez des, gros paquets, euh, des régionaux, gros paquets, vous déballez et vous comptez. Et nous comptons. C'est vraiment une calculatrice. Mais vous comptez tout ou bien vous comptez les totaux qu'on vous a envoyés Nous comptons tout parce que nous avons... Euh, un système, nous avons un système informatique où euh, c'est chaque bureau de vote qui est rentré. Et vous, et vous racontez la scène où le secrétaire général de l'institution à l'ordinateur et vous à côté en train de lui dicter les chiffres Absolument, parce que. Il pour rentrer dans les tableaux Excel. Les le tableaux Excel, il le faut absolument. Et malheureusement, il s'est retrouvé en train d'être. Euh, petite main. Petite main, <laughs> malgré qu'il était le secrétaire général. Il faut préciser aussi euh, une chose intéressante c'est que des copies sortis des bureaux de vote et des centres régionaux sont envoyés dans les différentes institutions vous l'avez un peu évoqué ah. qui elles aussi comptent et, et recoupent finalement il y a quoi il y, y a vous CEI .E. .E. Conseil, e. Conseil constitutionnel Onuci il y avait Onuci et il y avait le médiateur Et le médiateur donc oui. chacun reçoit les mêmes documents Exactement les mêmes documents et, et fait le même décompte Fait le même décompte Donc au final au final vous devez avoir les mêmes résultats. Les mêmes résultats c'est quand même important à savoir. Absolument, absolument. Ils reçoivent les mêmes documents que Tout la à Commission fait. centrale. Dès le, le premier tour, les résultats tardent à sortir. Le délai de trois jours donné à la CEI pour proclamer un résultat temporaire, qui doit ensuite être confirmé par le Conseil constitutionnel, est dépassé. C'est à 0h30 le quatrième jour. Que le résultat est publié. Pourquoi c'était si long Alors, je voudrais rectifier quelque chose. Les trois jours, on va en parler. Ah oui. Mais on va en parler après. On Mais va en dites parler. Dites-moi déjà pourquoi ça a dépassé. Pourquoi ça a dépassé mmh. <coughs> Simplement parce que euh, les, les, les PV sont pas arrivés à temps, ou bien, euh, en tout cas, je pense que c'est parce que les PV, certains PV n'étaient pas arrivés à temps, et donc. Euh, c'était une rotation. Pour Là, pour le, le coup, était... les jours et les nuits y sont passés. Oui. Oui, Vraiment. des jours et des nuits, nous sommes restés. Euh... Et malgré ça, vous n'avez pas réussi à, à tout non, faire dans non, le temps Non, non, on n'a pas pu faire. Bon, dans le temps. C'est À pas une demi-heure près. À une demi-heure près, mais bon, on n'avait pas, comme je disais, on n'avait pas cette contrainte des trois jours, la contrainte des trois jours, va... euh, comme je vous oui. le disais. Vous dites, que, vous, vous, vous dites effectivement que ce délai de trois jours est une convention, ouvrez les guillemets, imposée par la rumeur publique et qu'elle n'est inscrite dans aucun texte Ben non. Donc c'était d'où ça sortait Alors, mais je pense que c'est une méprise, parce que dans le code électoral, c'était bien écrit à l'article 60, je crois, que euh, la Commission a un délai de 3, de 72 heures pour transférer les PV aux institutions qui prennent part à l'élection. 72 heures, transférer les, les PV. PV. Ça, ce n'est pas un résultat. Non. Ah. Or, on a transformé ça en il faut qu'il y ait des résultats. Bon, on était pressé, c'est peut-être ça, mais je pense qu'il y a eu une méprise là. Et c'est rentré dans l'inconscient la, dans la, de tous. De tout le monde qu'il faut trois jours. Il faut trois jours. Il bon. faut pas trois jours. N'empêche que vous aviez cette, vous aviez oui, cette nous, pression. Oui, nous aussi, on avait cette temps. pression euh, de, de faire ça, de faire assez rapidement. Mais nous, nous avons conscience que nous avions déjà transféré et nous prenions le temps. Bon, pas le temps vraiment, mais nous avions conscience que nous avions déjà transféré dans les délais. Vous aviez transféré les PV dans les délais, dans mais les délais. Ce, qui, ce qui prenait du temps, c'était le décompte. C'est une séquence dans votre livre, celle du décompte, là, euh, de la lutte contre le temps, qui est un peu haletante. Est-ce que les tensions sont montées dès ce moment-là Au premier tour, non. Au premier tour, non. Hein. non c'était la tour, course non. contre la montre, mais il n'y avait pas oui. de tension politique. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, parce que, bon, euh, nous avions fait notre travail. Euh, comme il fallait, il fallait faire les décomptes, <coughs> faire les vérifications, parce qu'il ne faut pas se précipiter, donner des résultats et puis après se dédire. Mmh. Voilà. Bah oui, la CEE a tout de même atteint euh, ses objectifs, c'est-à-dire une participation très élevée, 83,73%, et un premier tour qualifié par tous les observateurs de transparent et exemplaire, malgré les quelques quoi que, que nous avons évoqués. Bon, c'est justifié à votre avis Oui. Tout le monde voulait cette élection. Et on avait accrédité un maximum d'observateurs. Et sur toute la Côte d'Ivoire. Des observateurs étrangers aussi Étrangers, nationaux. Vraiment, c'était l'engouement. Les organisations de la société civile nationale se sont mobilisées. Pas possible. Et les rapports étaient favorables Et les rapports étaient favorables. Tout le monde. Bon, je ne sais pas si vous étiez dans le pays, mais en tout cas, ceux qui étaient là ont vu comment ça se passait. Vraiment, le premier tour, il n'y a pas eu de, 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 de soucis. Sauf que le PDCI, arrivé en troisième position, a voulu contester le résultat en alléguant des fraudes massives. Bon, est-ce qu'il y a eu des fraudes massives non, Je ne crois pas. Je ne hmm. crois pas, mais bon, euh, ça n'a ça pas été... C'est le dépit découver, de ne pas, ouais, bon, pas passer. Bon, moi, je... Pas de commentaires, mais pas de fraude. Pas de fraude. Pour préparer le second tour, euh, vous, à la CEI, vous avez tenu compte des enseignements du premier, évidemment. Qu'est-ce que vous avez fait pour remédier aux différents petits quacs du premier tour Alors, on a, on a passé des nuits blanches au premier tour. Donc, au second tour, nous nous sommes dit, euh, avec notre secrétaire général, il faut faire autre chose pour ne, pour, pour ne pas passer de nuits blanches. Il faut que tout ce qu'on empaquette arrive dans le bureau de vote. Parce qu'avant, les paquetages se faisaient sur place. C'est-à-dire, on envoyait en gros. Et puis le, le partage se faisait au, au niveau des commissaires locaux. Alors nous avons décidé de faire les paquets de chaque bureau de vote. À Abidjan. À Abidjan. Dans un entrepôt à Vridi. À Vridi et scellé. Et c'était tellement bien scellé que lorsque vous ouvrez, on a, fait un, on a fait fabriquer un scotch spécial. Si vous ouvrez avant le jour J et on que vous recollez, c'est écrit dessus « Fraude <coughs> ». Ça transparaît Fraude ». Donc nous l'avons fait. C'est vrai, les délais étaient serrés. Mais nous l'avons fait. Alors là, vous vouliez ne pas passer de nuit blanche, <laughs> c'est exactement le contraire qui s'est passé Absolument. Parce, que Parce même, que... même en recrutant 150 jeunes pour emballer les kits électoraux envoyés dans les 20 000 bureaux, 20 000 kits à faire quoi ouais. Là, ouais. c'était les nuits et les jours et vous y... et puis vous y êtes arrivé, juste juste. Juste juste. Nous avons passé 5 jours à l'entrepôt. Au point même, Au point même qu'il a fallu repousser d'une semaine le scrutin. Euh, oui, parce que... C'était juste, trop juste. C'était vraiment trop juste parce que c'est encadré en fait. Les, les, les élections sont encadrées, bon, comme tout jeu, hein, encadrées par des règles. Et ces règles-là euh, disaient qu'il fallait faire le second tour, je crois, deux semaines après, etc. C'est ça. Voilà. Donc euh, bon. Mais euh, bon, le scrutin, a dû, il, oui. a dû, il a dû être repoussé d'une semaine parce que oui. vous n'étiez pas prêt tout simplement. Oui, parce que nous avons changé, nous avions changé le, la, procé le, la procédure pour pouvoir rendre plus crédible, plus juste, pour, pour apaiser tout le monde. Donc, c'était donc... prévu le 21 et c'est passé au 28 novembre. Hein. C'est ça. Voilà. Une toute petite semaine. Alors, il y a quelque chose néanmoins qui vous a alerté, sans que vous n'en compreniez vraiment à l'époque euh, le sens. Vous savez où je veux en venir. C'est le Conseil constitutionnel et non. La commission électorale indépendante, comme l'exigent les textes, qui a fixé la date du second tour sans vous consulter. Ouais. Euh, Aujourd'hui, avec le recul, qu'est-ce que vous vous dites Vous y voyez euh, déjà le début des manœuvres Je dirais franchement non. Je pense que c'est dans l'euphorie qu'ils qu ont, en prenant, parce que le Conseil constitutionnel aussi lit le, les règles, et donc le Conseil constitutionnel a, a donné dans la foulée la date. Du second tour, en tenant compte, je pense, de, du code électoral. Sauf que les lois, la loi est claire aussi. La date est proposée par la commission chargée des élections. Donc ils Et se sont un peu emballés, quoi. Mais comprendre. vous ne pensez pas qu'il y avait euh, malignité dedans Non, non. À pas, ce moment-là. Voilà, franchement, pas à ce moment-là pourtant, vous employez un mot assez fort euh, à ce moment-là, euh, qui est le mot de sabotage, et vous dites que euh, la politique était entrée dans l'entrepôt de vridi. en réalité, on a, vous dites que il bah, y a des kits qui n'étaient pas complets, alors qu'ils auraient dû l'être finalement. vous, vous pensez qu'il y, y a eu des mauvaises intentions de certaines personnes là-bas? Oui, absolument, parce que, en euh, fait, lorsqu'on on a pris ces jeunes gens, les 150, pour constituer les, les kits, c'était un kit list Il suffit de prendre tel élément pour le mettre dans le kit. Et à la fin, nous on contrôle la qualité avant que ça ne sorte de l'entrepôt. Mais au contrôle, on s'est rendu compte que dans certains kits, il y avait des éléments qui manquaient. Et souvent même, c'est des kits qu'on avait déjà contrôlés. Et pas, moi je suis un peu maniaque hein, de, sur le, le contrôle des choses. Je, je viens recontrôler, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui manque. Donc forcément, c'est quelqu'un qui est dans l'entrepôt. Qui enlève ça des aurait, éléments. Si c'était passé, ça aurait gâté le vote euh, sur place. Absolument, parce que bon, gâté. Bon, je veux dire, il y a des éléments qui allaient manquer au niveau des bureaux de vote, et on n'avait pas prévu de faire ce nombreux ces ce, ce rattrapages là comme ça, et on ne sait pas si ça allait prendre de l'ampleur, si c'était dans tous les pays. C'est ça. Nous sommes au jour du scrutin du deuxième tour, et euh, le scrutin se déroule sans problème. Hein. Rien à signaler, sauf. Peut-être une étrange discussion que vous êtes amené à avoir en dehors de tout cadre officiel avec un ministre du président Bagbo. Pouvez-vous raconter cet étrange rendez-vous et peut-être nous dire qui était le ministre en question Vous convenez à moi que je ne vous dirai pas qui était le ministre en question <laughs> eh bien, Bon, il voulait des informations. Il voulait des informations, euh, il est passé par l'entrevise de quelqu'un que je connaissais, bon, il voulait me rencontrer, il voulait des informations. Euh, bon, moi je lui, ai, je lui ai dit ce que je savais, bon, des informations. Quel genre euh, Bon, tout genre, euh, bon, cette, telle personne euh, bloque le, euh, le scannage des PV ou... Euh, on avait déjà les résultats, mais c'était le soir. On ne pouvait pas avoir déjà eu les résultats. On même pas commencé Oui, à la il, vous a, il, il paraît qu'il vous a annoncé la victoire au premier tour de Laurent babo avec 60% des voix. C'était au deuxième tour euh, oui. Non, là, on était, ah, oui, oui, on est était au soir. Au en, soir du deuxième tour. Ah oui, au soir du deuxième tour. Donc il, il veut vous annoncer euh, la, oui. la victoire de M. babou avec 60% des voix. Or, oui. les bulletins n'ont même pas encore été euh, décomptés. Oui, bon, je me dis peut-être qu'eux, ils avaient déjà euh, les, 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 les résultats. C'est possible, hein, mais la commission n'avait pas encore commencé. La le, compilation. Travail. Non, le travail, le travail n'avait pas, pas commencé la compilation. Pas du tout, pas du tout, mais comme ils sont dans le bureau de vote, bon, je ne sais pas. Alors, comme au premier tour, euh, la commission a trois jours pour sortir les résultats, mais <laughs> cette fois, tout se passe dans la méfiance. C'est plus la même ambiance. Dès le deuxième jour... Donc il y jour 1, jour 2, jour 3. Dès le deuxième jour, je vous cite, tout bascule entre les commissaires. Tout le monde soupçonne, tout le monde de fraude. La tension monte au sein de la CEI. Et vous qualifiez l'ambiance de délétère, fragile et explosive. Pourquoi, brutalement, cette méfiance Est-ce que c'était l'enjeu ou bien il y avait déjà des signes, il y a eu, il y avait des signes de fraude Bon, à ma connaissance, non. Le... C'était pareil qu'au premier tour mais bon, c'est les politiques, hein, ils savent. Euh, c'est l'enjeu. Moi, je sais pas comment. Mais. C'était <coughs> se palpable. L'ambiance était à coup de. L'ambiance. Oui, voilà, c'est ça. Mais euh, quest qu sans raison apparente. C'était vraiment l'enjeu qui cristallisait. Je pense. Je pense. Sinon, il n'y avait pas de raison apparente. Enfin, parce vous dites qu'il qu y a les... des commissaires qui ont failli en venir aux mains. Oui, oui, parce que vous oh, savez. Je vous demanderai pas les noms. <laughs> oui, oui, mais c'est un jeu. C'est comme sur si un, 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 un terrain de football. Vous voyez que quelquefois, même les joueurs, même du même camp, quelquefois, se... voilà, c'était un peu ça. C'est-à-dire, quand on fait le jeu, on n'est pas d'accord, l'autre dit ça, l'autre dit ça. Mais... Donc, ils ont failli en venir aux mains. C'est pareil comme tout jeu. On l'a vu au football ici. Il y a des gens qui s'empoignent se... qui même avec l'arbitre le... et tout ça. Donc, tout ça fait partie de... du jeu. Le troisième jour est celui de la fameuse scène incroyable où le représentant du pouvoir, M. Damana Picasso, Arrache aux yeux du monde la feuille, une feuille de résultats des mains du porte-parole de la Cei, Monsieur Bamba Yakuba. Je ne vous demanderai pas de ce que vous pensez de cet épisode navrant, mais plutôt comment est-ce qu'il est arrivé Et aussi, quel type de résultats devaient être lus par le porte-parole qui ont été arrachés des mains Et est-ce que ces résultats qui devaient être lus, est-ce qu'ils avaient été préalablement validés par le Collège des Commissaires Centraux, auquel appartenait M. Damanapikas. Alors, selon la procédure, hein, je... il, il ne lisait que ce que lui remettait le secrétaire permanent de l'époque, c'était Auguste Mirmont. Et donc, euh, il avait reçu un document euh, validé, imprimé. Validé euh... par la, la, la commission, oui. par les commissaires. Par voilà, les commissaires, imprimé. imprimé et, on et donné... remis. À... Et à chaque fois, on remettait les résultats. Mais oh, aux porte-parole et aux représentants bon, des candidats. Quand il y a une élection présidentielle, on attend un résultat qui est qui gagne et qui perd. Oui. Là, on donne les résultats au fur et à mesure. Est... Quel type de résultat est-ce C'était des résultats locaux, de, de, de région, oui. De région. Donc Au fur et à mesure, on donne les résultats absolument, locaux. Absolument, absolument. Ce n'était pas le résultat final. Et c'était un de ces résultats locaux à ce moment-là Oui qu'allait prononcer le porte-parole. Mais alors, pourquoi M. Damanapikas a eu cette réaction Il y avait quoi de déterminant là-dedans Vraiment, il faut lui poser la question, parce que... Bon, ce n'était pas les résultats finaux, puisque le résultat final est donné par le président de la commission, mais ce sont des résultats intermédiaires. Bon, le document reçu par Mama Yakuba, c'était un document qui avait été validé, imprimé et remis officiellement et à lui et à Bamba Yakuba et aux représentants des deux candidats qui étaient dans une salle annexe à côté. Donc vraiment On cette demande. question euh, je sais pas, il faut la poser à monsieur au commissaire. Dans ces heures incroyables, vous remarquez, ouvrez les guillemets, la pression augmentée dehors, mais rien n'avançait à l'intérieur. Il y avait ouais. vraiment les positions étaient cristallisées. Absolument. Absolument. Cette pression de l'extérieur, je l'ai senti parce que euh, J'ai des collègues qui m'appelaient, oui, il faut sortir, il faut donner les résultats et tout ça. Qu'est-ce qui se passe là-bas Bon, je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe Vous, vous étiez un peu dans une bulle. Vous voilà. ne voyez rien de ce qui se passe. Rien du tout, je ne savais même pas que c'était coupé. Mais quand vous partez, vous parlez justement de cette pression extérieure. Est-ce que vous faites référence au blocus du bâtiment de la CEI par l'armée ivoirienne aussi euh, je pense que... Mais vous n'en saviez rien Je ne savais rien de tout cela, sauf que euh, euh, quelqu'un qui m'appelle, qui me dit, mais euh, ça va Je dis, oui, ça va. Et puis, euh, mais comment ça, ça va On peut même pas passer devant la commission. Est-ce que ce est est pas votre mari qui vous a si, appelé si, si, pour vous lui. poser la question Oui, il dit, mais comment ça, tu peux dire que ça va Je dis, mais pourquoi Il dit, mais on ne peut même pas passer devant la commission. Je dis, mais comment ça, on ne peut pas passer devant la commission Il dit, mais c'est barré, il y a l'armée partout et tout ça. Je dis, ah bon et c'est votre mari qui vous apprend que l'armée bloque le bâtiment. Oui, oui. Le bâtiment. Voilà. Moi, je bon, bloqué, mais je lui ai dit, les gens ne passaient plus devant, euh, parce que c'est une voie passante. Donc les gens ne, ne pouvaient plus passer là. Et puis bon, à l'intérieur, vraiment, il n'y avait pas de... Moi, d'où j'étais assise là. Vous oui. ne sentiez pas ça aucune pression. À part la, à part la, la, la pression entre les, oui, à part les, ça. les protagonistes. Oui, bon, je me dis que c'était normal. <coughs> Mais bon, vraiment, je ne m'attendais pas à ça. Alors là, j'aimerais bien comprendre il y a un épisode que je, <laughs> je veux comprendre. Au oui. soir du troisième jour, donc vous êtes dans les temps vous obtenez un résultat consolidé qui donne M. Bagbo à 45,9% et M. Ouattara à 54,1%, avec une participation de 81,12%. Il n'y a que trois personnes qui sont informées de ce résultat à ce stade. C'est vous-même, le secrétaire général de l'institution et le président de l'institution. Pourquoi ces trois personnes uniquement et les commissaires ne sont pas informés Alors, si... Euh, en fait, la, la, la compilation continuer et c'est nous qui faisons la saisie. Et donc, évidemment, nous voyons. Vous êtes mais, les premiers à voir. Nous sommes les premiers à voir. <coughs> nous sommes les premiers à voir ce qu'il y a. Mais vous ne partagez pas, ou en tout cas, ce n'est peut-être pas, pas la procédure, les résultats non, non, avec non. tout le monde. Oui, voilà, on n'a pas partagé à tout le monde, mais on l'a partagé après. Avec le président. On l'a partagé avec le président et avec les autres après. Et avec les autres après. Ah, oui. Alors, ce que je veux comprendre, c'est que le président, M. Youssouf Bakayoko, n'a pas voulu publier immédiatement les résultats, de sorte que ça a mis l'institution dans la difficulté, puisque lorsque les résultats finalement sont sortis, elle était hors délai, hors délai enfin hors délai tel qu'on l'a dit euh, là, tout à l'heure. Mais cela a été aussi un élément déterminant dans le déclenchement de la crise. Euh, il est même allé le soir du troisième jour à la RTI, on lui pose la question. Il a les résultats en main, mais il dit non, le travail continue. Pourquoi, à votre avis, hésitait-il à ce moment-là à donner le résultat Bon, je me dis de sa position, il avait des éléments que moi, en tant que technicienne, je n'ai pas. Et donc, je ne peux pas. Préjugé de ce qui est. Moi, je ne l'ai pas rencontré. Vous ne pouvez pas extrapoler, mais est-ce que depuis, parce qu'avec le recul du temps, vous avez eu cette euh, information d'une manière ou d'une autre Pourquoi il n'a il a, il a il pas, a pas donné, donné le jour et, même Le ouais. jour même, je n'ai pas eu l'information. Sincèrement, je n'ai pas compris pourquoi ça n'a pas été donné. Euh, J'ai ma petite idée dessus, mais bon. Vous ne voulez pas la dire Non. Vous ne voulez vraiment pas la dire Non. <laughs> D'accord. <laughs> <laughs> J'ai ma petite idée là-dessus, mais je, je, je préfère ne pas la dire, pour okay. le moment. D'accord. Donc, en tout cas, euh, les résultats, vous les avez compilés dans les trois jours. Le président euh, a le résultat, il ne le donne pas. Et en attendant, euh, vous expliquez aussi que, on, un, un on entre guillemets, bon, vous ne citerez personne, on aurait obligé le secrétaire général, M. Conan Coadio, de re, à remettre les résultats à un proche de Monsieur Bagbo, alors que à ce moment-là, ils ne sont pas encore publiés, ils sont encore secrets. Euh, bon, on l'a obligé à faire ça. Il s'est, il s'est exécuté. À votre avis, c'était pourquoi Est-ce que c'était une obligation C'est lui qui me l'a rapporté. On lui a demandé de venir donner les résultats. Bon, je ne sais pas s'il a été mais obligé. Bon, comme on n'était pas ensemble. Mmh. Après cela, je ne sais pas, mais il m'a dit euh, qu'il a dû aller donner, c'est les termes qu'il a employés, j'ai dû aller remettre les résultats qu'on me le demandait et je suis allée remettre parce que c'est aussi mon patron. Voilà. Et, et à quelle fin, à votre avis, on lui demandait ça puisque ça allait être publié pour tout le monde incessamment Ah bon, je ne sais pas, peut-être qu'il voulait comparer avec ce qu'ils avaient parce que, Figurez-vous, les, 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 les partis politiques, quand ils sont bien organisés, ils ont les résultats. Parce qu'ils ont les résultats même avant la commission centrale. Parce qu'ils ont leurs représentants dans tous les bureaux de vote. Avec la technologie que nous avons, il suffit de balancer résultat par résultat. S'ils sont bien organisés, et je sais que ces deux partis-là étaient bien organisés, ils avaient des systèmes. Donc, c'était peut-être pour comparer. Je, je dis, je dis peut-être pour comparer, pour se donner une idée, de savoir si ce qu'ils ont reçu, c'est ce que nous avions, euh, nous avions effectivement compilé à la commission. Donc je me dis, c'est peut-être. Mais euh, je pense <coughs> qu'ils avaient les résultats aussi. Le 2 décembre, donc euh, hors délai, mm -hmm. le président hors de la commission. Hors délai oh. Non. Je vous reprends tout hors jour, délai ce Hors délai attendu. Hors délai, voilà. Le président. Euh, oui, mais on s'en est, est bien servi pour le reste, pour la suite, et on va le voir. Donc, hors délai attendu, on va dire, oui. le président de la commission proclame le résultat, mais où Au Golf Hotel. Euh, dans ses mémoires, le représentant euh, de l'ONU, M. Choi, euh, raconte que M. Bakayoko avait dû quitter l'immeuble de la commission électorale indépendante, caché dans le coffre d'une voiture. Pour éviter peut-être le blocus militaire, et que c'est dans le même coffre qu'il est arrivé au Golfe. Alors il est d'abord allé chez Choi. Choi lui a dit Non, 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 c'est pas ici qu'il faut proclamer parce ah que bon l'ONU est indépendant. <laughs> oui, je l'ai lu ce aussi que Choi dans le raconte. livre. Oui, c'est ce que Choi raconte, oui. Donc il est remonté dans son coffre, il est parti au Golfe. Dans et son coffre. Là, <laughs> dans son coffre. Et c'est <laughs> là qu'il est, qu est allé proclamer euh, les résultats. Est-ce que vous connaissiez un peu cet épisode euh, Non, je ne le connaissais pas avant d'avoir lu. Le livre de Choi. Je ne savais pas comment il était parti, comment il était sorti de là, mais quand j'ai lu le livre de Choi, bon, ça nous a édifié. C'est pour ça qu'il faut écrire. C'est pour ça qu'il faut écrire, et c'est <laughs> c'est pour ça que votre livre, il faut le lire parce que c'est vraiment un document qui qui, qui raconte l'histoire comme le négatif d'une un, photo. Beaucoup de gens ont une photo, oui, mais... et vous vous montrez aussi l'envers euh, du décor. Oui, c'est ça. Euh, le délai consensuellement convenu, je ne sais plus comment le dire, le, le, le délai je étant, sais étant, étant dépassé, ça a été quand même le prétexte qui a permis au Conseil constitutionnel de s'autosaisir du dossier euh, pour euh, décider de réexaminer les résultats et il annule les résultats dans 13 départements essentiellement du Nord, soit 12% de la population électorale, et il proclame M. Laurent Gbagbo vainqueur à 51%. Mmh. Le résultat de la commission électorale indépendante, je le rappelle, était que M. Ouattara était élu à plus de 54%. Vous dites très clairement que cette annulation partielle n'est pas légale au regard de l'article 64 du Code électoral. On peut lire l'article 64 du Code électoral qui parle de lorsqu'on constate des irrégularités et que, des, en qui entachent la, la sincérité du scrutin et affectent le résultat ensemble, le Conseil constitutionnel peut prononcer l'annulation de l'élection. Donc à la limite, il aurait dû tout annuler ou rien annuler, mais Après. pas annuler partiellement. Si cette annulation partielle vous paraît illégale, est-ce qu'elle n'est pas justifiée c'est-à-dire, tout simplement, est-ce qu'il y a eu, à votre connaissance, des irrégularités dans ces régions qui auraient pu justifier une annulation de l'élection C'est le Conseil constitutionnel qui le dit. Sinon, les observateurs ne l'ont pas dit. Et bien, eux, ils ont des éléments. Le Conseil constitutionnel a des éléments que moi, je n'ai pas. Donc, je me dis, peut-être qu'il y a eu des irrégularités. Ça, ça n'engage que eux. Moi, je ne sais pas. Mais. Ce que nous avons compilé, c'est ce que nous avons reçu. Et donc, si ces irrégularités sont de nature à entacher la sincérité du scrutin et à en changer le résultat global, la loi leur donne le pouvoir d'annuler. Mais d'annuler l'élection entière. D'annuler l'élection entière et de... Et la commission... Fixe. Et pas de faire comme ils ont fait, c'est-à-dire d'annuler une partie des résultats et de changer le. Et de, ah, de faire la L'article 64 était très clair là-dessus, hein, parce que ça change le résultat d'ensemble. Et le, le constitution, le législateur ivoirien a su faire les choses. La, la, la commission organise dans les résultats. Le Conseil constitutionnel ou les institutions chargées de, du contentieux valide ou invalide. Bon. Mais euh, n'ont pas vocation est à Est-ce que les, les observateurs qui étaient déployés dans tout le pays, étrangers, nationaux, etc., euh, euh, ont constaté euh, ce type d'irrégularité Ils l'auraient quand même peut-être plus signalé, non Oui, ils auraient pu les, les, les signaler. Nous, les rapports que nous avons reçus... Ils sont bons. Ne, ne signalaient pas certains... Euh, bon, ne signalaient pas <coughs> ce qu'ils qu avaient dit. Mais vous comprenez à un qu'on ne peut pas avoir des irrégularités partout comme ça, dans 13 départements jusqu'à supprimer le vote de, 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 12, de 12% de la, de la population. C'est leur enlever leur droit de vote. Ils se sont déplacés. Donc, euh, euh, vous, bon, vous, vous voyez ça comme une manœuvre, évidemment, politique. Ouais, Même bon. si c'est mené par une institution... C'est euh... mené par une institution. Et puis bon, moi je pense que ça n'a pas été bien mené, ça, le texte n'a pas été bien, bien lu, mais je ne ferai pas les de dire qu'ils n'ont pas lu le texte, ce sont des, ce sont des éminents juristes, donc mmh. ils savent ce qu'ils font. Mais est-ce que, à votre avis, euh, est-ce que c'était ça finalement l'objectif des représentants de ce camp-là au sein de la CEI, de faire perdre le temps de, 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 pour, pour, pour faire basculer le, la décision au Conseil pour faire basculer la décision de la. Est-ce que c'était, à votre sens, une manœuvre préméditée euh, de faire basculer la décision de conseil. la CEI au Conseil Peut-être. Mais je veux dire que s'ils avaient lu l'article 64, ils ne se seraient pas amusés à ce jeu-là. Parce que ça ne sert à rien de dire euh, vous êtes hors délai. Ce délai qui n'existe nulle part. Parce que bien après, dans le code électoral, bon, on a dû tirer le son de cette période et dans le code électoral, on avait précisé que c'est dans les cinq jours la proclamation officielle. Donc, il n'y avait pas de délai. Il n'y avait même pas de délai, je ne sais pas, euh, comme euh, c'était dans l'imaginaire de tout le monde qu'il fallait trois jours. Et donc, les gens se sont focalisés là-dessus. Et puis bon, s'ils voulaient faire traîner, bon, je ne les ai pas vus faire traîner. Bon, s'ils voulaient faire traîner pour que ça bascule la base, je pense que ce n'était pas à leur avantage. Hein. On se retrouve là. donc <laughs> le 2 décembre oui. avec deux résultats contraires proclamés par deux instances officielles. Et votre livre s'arrête là, d'une certaine manière. On connaît la suite. Peut-être aura-t-il lui-même une suite Peut-être Oui. Ah, oui, il y aura une suite. une suite. Très bien. Je voudrais vous demander, euh, puisque certains contestent... Toujours aujourd'hui, euh, les résultats de l'élection présidentielle de 2010. Si vous, euh, en tant qu'actrice de ces événements, en votre âme et conscience, vous continuez à affirmer que le résultat de l'élection proclamé par la commission électorale indépendante à ce moment-là est inattaquable Oui, je continue à le dire parce que les faits, ce sont les faits. La commission électorale, je l'ai démontré tout à l'heure, n'est qu'une calculatrice. Tout se passe dans les bureaux de vote. Nous faisons la compilation. Nous, la commission électorale, jusqu'à aujourd'hui, n'est pas dans les bureaux de vote. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de tricherie, il n'y a pas eu d'irrégularité, etc. Mais les PV que nous avons reçus, ce sont ces PV-là que nous avons compilés. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je dis que j'étais un peu frustré Parce que nous avons fait un travail formidable, il faut le reconnaître. Et c'est ce que nous sommes en train de faire tout le temps. On appelle les acteurs. Il faut connaître les règles du jeu. Quand on veut participer à un jeu, il faut en connaître les règles. Il y a une phrase à la fin de votre livre qui annonce ben, les événements tragiques qui vont, qui vont suivre. « Je plaignais mon pays, il n'était pas au bout de son chemin de croix. Résultat refusé, élections détournées, machiavélisme et jusqu'au boutisme politique étaient le lot d'une démocratie chaotique. Pauvre Côte d'Ivoire. » Est-ce que vous pensez aujourd'hui, 15 ans après avec l'évolution du pays, l'évolution des mentalités, il y a eu d'autres élections présidentielles qui sont intervenues depuis. Est-ce qu'une chose pareille, à votre sens, pourrait se reproduire Oui. Parce que sont les humains. Comme je le dis et je le répète, si on veut participer à un jeu quand on n'en connaît pas les règles ou bien qu'il y ait de, un peu de mauvaise foi là-dedans parce que souvent aussi on connaît, on connaît bien les règles et puis on veut les violer. Si les mêmes, ce qui s'est passé ici, ce sont les mêmes acteurs qui veulent faire la même chose, ils sont capables de le faire. C'est pour cela que la commission électorale actuelle qui est là essaye de vulgariser au maximum les règles du jeu pour ne pas que les gens se laissent manipuler. Parce que Et votre livre, en quelque sorte, c'est une prévention. C'est -ce pour, pour prévenir. Les élections ne se gagnent pas à la commission électorale. Mais est-ce que, puisque vous, vous parlez euh, d'une démocratie euh, chaotique, oui. euh, est-ce que vous ne pensez pas quand même que depuis euh, la classe politique, les, les, les Ivoiriens ont acquis une plus grande maturité politique ou une plus grande maturité démocratique Peut-être. Peut-être... Ça, ça mais vous laisse un euh, peu dubitatif. Ouais. Parce que le, le politique aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, ne... on veut la démocratie et on, 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 on jette les règles de la démocratie. On ne peut pas vouloir quelque chose de son contraire. Et c'est ce qu'on voit. On leur dit, euh, les élections ne se gagnent pas à la commission électorale. Vous avez le devoir de bien former vos militants. Vous avez le droit d'avoir vos représentants dans le bureau de vote bien formés. Je vous dis, à ce jour, ils continuent à avoir des représentants dans le bureau de vote qui ne sont pas formés, qui ne savent même pas de quoi on parle. Nous avons eu des plaintes à la commission électorale de certains candidats qui disent que mon adversaire a, 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 a corrompu mon représentant. Est-ce que c'est sérieux, ça On ne va pas à un jeu quand on n'est pas prêt. Et donc, c'est ça. Et euh, donc, je c'est pour prévenir. Je vais vous poser une on question. On veut jeter l'anathème et... oui. sur. L'institution. On veut fragiliser l'institution. Mais c'est l'institution-là, c'est nous tous qui l'avons mise en place. Voilà. Une question qui va peut-être vous choquer, mais est-ce que la crise post-électorale euh, qui s'en est suivie, euh, et qui a fait des milliers de morts, est-ce euh, qu'elle est qu l'échec de la commission électorale indépendante Pas du tout. Alors là, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec la commission électorale. Je mets au défi quelqu'un qui vient nous dire que nous n'avons pas suivi les règles que les choses n'ont pas été faites dans les règles. Nous, techniciens, nous avons travaillé, encadré dans la loi, on a fait ce qui devrait être fait. Et donc, la commission électorale n'a rien à voir là-dedans. Et c'est pour ça que je suis frustré, je vous ai dit, c'est une des raisons. Parce que on a retenu que la crise post-électorale, et on a retenu que c'est parce que c'est l'arbitre qui a organisé ces élections-là. Alors que, alors là, Rien du tout la commission électorale a fait correctement son travail. Vous avez vu le taux de participation qu'il y a eu Oui. 81% au On deuxième On n'a plus tour. jamais eu ça On quelque plus part. On n'a jamais eu ça non Jamais, même regardé en Afrique. Euh, Aujourd'hui, vous, euh, vous avez pris du galon, on va dire, au ah sein de, sûr, la, de la commission, sûr. puisque vous êtes membre du collège des commissaires centraux, Absolument, donc vous faites partie oui. de ceux qui décident. Hein. Ouais. j'y représente et, et, les organisations de la société civile. Vous y Je représentez les organisations ouais. de la société civile. Ouais. Est-ce que vous diriez que la CEI de 2024 a tiré les enseignements des événements de 2010 Absolument, oui. La CEI de 2024 s'est même bonifiée. Parce qu'aujourd'hui, euh, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les commissaires, les agents de la commission électorale, tous sont conscients du travail. Et que tous sont conscients que nous devrons faire un travail de prévention, de cohésion sociale. Et tout est mis en œuvre pour faire la transparence, pour faire tout ce qu'il faut pour que. Il y a il n'y a pas de contestation. Je vous dis aujourd'hui, toutes les compilations, même dans les commissions locales, se font au vu et au su de tout le monde, avec un vidéoprojecteur devant tout le monde. On a tiré les leçons de ce qui s'est passé en 2010. Et aujourd'hui, si celui qui est candidat à ses représentants, il est capable de voir tout ce qu'il y a. Et regardez, les, 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 les partis politiques se plaignent, oui, nous ne sont pas la commission électorale. Mais les indépendants qui gagnent. Vous vous, vous souvenez qu euh, qu'en 2016, il y avait 75 indépendants qui ont gagné les élections des, 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 des députés. C'est dire quoi C'est dire que le travail est fait correctement. Il y a des opposants qui gagnent les, les, les élections. Il y a des gens qui sont partis au pouvoir qui gagnent les élections. C'est clair et net, la commission de 2024 c'est bonifier et c'est attirer les leçons de 2010. Et nous espérons que... 2025 2025 se passe sans accroc. En tout cas, vous vous y attelez déjà Déjà. Hein, on est en juillet... Vous avez suivi la campagne juillet de sensibilisation. 2024, oui. Vous commencez à, à travailler oui. On a fait la campagne d'éducation électorale. Ça, ça continue sur un mois, pour que tout le monde soit informé tous les acteurs primaires, c'est-à-dire les, les, les acteurs primaires, c'est les candidats et les électeurs, et les acteurs secondaires, toute la population soit informée. Nous, font, nous faisons cette campagne-là tout le temps. Et là, lorsque nous allons installer les, les, installer les commissions locales, nous passons dans les radios, nous expliquons ce que c'est que, que la, le code électoral. Nous travaillons sous encadrement de la loi. Merci beaucoup. Merci.